On est reparti avec l'avant-dernier des quarts de finale de cette catégorie. Donc des milliers de garçons avec un très bon départ de Maxime Pierre-Jean, oui, le Canet-Jeannet, qui a pris donc le headshot derrière. Nous retrouvons, je pense, Maxime Le Glory qui n'est pas loin. Donc le pilote de Sainte, mais également pour l'instant Claro, le pilote de Saint-Léger qui est en deuxième position. La quatrième place pour se qualifier. Elle est détenue, je pense, par un pilote marmandais avec la plaque numéro 50. C'est Maëlogé donc qui est potentiellement qualifié pour les demi-finales et une victoire sans problème pour Maxime Pierre-Jean, le Canet-Jeannet. Il s'est battu, c'est bien.